Suite à l'adoption de la loi contre la représentation de la nudité, Pascal est contraint de se branler devant le programme télé. Comme c'est pas évident, Pascal a pris l'habitude d'encourager ses burnes pendant la branlade, mais rien ne se passe. Alors il allume la télé et se branche sur la chaîne d'État qui rediffuse « Plus belle la vie », un superbe feuilleton des années 2000. Pascal aime bien jouir en imaginant qu'il fait l'amour avec une des actrices de la télé. Mais comme c'est trop bien joué, il se met à suivre l'histoire et stoppe sa branlette. Au même moment, sur le toit du bâtiment, Julien Barberet et Luc Portin, les colocs du 11e, décident de suspendre la réception télé de l'immeuble par respect pour leur religion. Pascal constate amèrement que toutes les tensions et toutes les contrariétés qui l'ont poursuivi depuis le début de la journée continuent de le harceler. Comme vous le savez, l'imagination est la capacité humaine à voir des trucs dans sa tête, des trucs qui n'existent pas dans le monde réel. Ainsi, Pascal ne peut plus compter que sur lui. Pascal a besoin de fantaisie et d'étranges pour se satisfaire. Le voici qui fantasme. Le royaume de Kaïra était gouverné depuis des siècles par une reine immortelle du nom de Virilia. Retranchée dans son château, nul n'avait jamais vu son visage. Jusqu'à ce qu'un jeune chevalier hardi du nom de Gourmus ne décide de faire l'ascension de la forteresse pour rassasier sa curiosité. Gourmus fut rapidement maîtrisé par les orques de la reine. Tu as osé porter les yeux sur moi. Pour cela, tu seras pendu par le pénis à mon clocher. Mais avant, tu devras me faire l'amour à ta façon. Et les voici qui copulent. Afin de modéliser cette scène érotique, recherchée et pleine d'effets spéciaux, le cerveau de Pascal utilise une grande quantité d'énergie psychique. Mais cette énergie commence à baisser. Elle s'épuise. Alors il hâte le déroulement du fantasme. Déjà, les décors viennent à manquer, et leurs costumes aussi. Puis, peu à peu, plus rien. Le vide psychique. Pascal n'est plus apte à s'auto-exciter. Il regarde son sexe en érection, un face-à-face unique, un instant précieux, fragile. Voici qu'il vient en se regardant lui-même. Une bien mauvaise journée qui se finit calmement. Pascal, le visage oint et détendu, enfin. C'est un portrait, un article qui a été écrit par une reporteuse bretonne qui s'appelle Marie-Charlotte Kerlanec, qui vient de Rennes. Là, on est dans le futur, on est dans la bande dessinée. C'est dans le futur, c'est pour le Bretagne Times. Donc, parce que le West France a coulé, c'était vraiment trop de gauche. Donc, le Bretagne Times, c'est encore plus de droite que West France. C'est un grand portrait, vous savez, un peu comme dans Libé, à la fin de Libé, il y a le portrait de l'invité du jour. Donc là, ils font pareil. Portrait breton de la semaine. Viril de corps, breton de cœur. Pascal Brutal, un nom qui claque comme une porte dans un courant d'air. Un physique imposant qui ne s'oublie pas, un sourire qui brille comme la Bretagne. Cet homme-là est unique et bien de chez nous. Rencontre avec un rennais tranquille et atypique qui se laisse vivre. Cet après-midi, je peux pas, je dois avoir des potes. C'est par ces mots secs que débute notre premier contact téléphonique avec Pascal Brutal. Pas impressionné pour un sou que le premier journal de France s'intéresse à lui, il nous donne rendez-vous froidement pour la soirée dans son petit appartement d'une tour de la Binquenay à Rennes. Attends, je vis ici ou là, je suis pas vraiment de chez moi, tu vois, je dors chez mes copines. Nous dit ce grand gaillard au sourire charmeur qui nous met tout de suite dans sa poche. Je me pose pas trop de questions, tu sais, en fait, j'ai l'impression d'avoir toutes les réponses avant de me les poser, alors je me les pose pas. Dit-il dans un éclat de rire quand on lui demande si son statut de chômeur lui pèse. Nous ne saurons rien de ses finances, ni de ses moyens de subsistance. Les lions, ils vont chasser la nuit, répond-il calmement. De politique, il ne parle pas non plus. Attends, j'y comprends rien et tout, tonne-t-il en roulant une cigarette. Même s'il n'ose pas le dire, il aime Alain Madelin, notre bon président, comme tout le monde. Ouais, j'ai pas mal de potes, ça va, tu sais, je connais du monde un peu partout, nous dit-il, tandis qu'un copain, venu chercher un petit paquet chez lui, sort de l'appartement. Ça, je peux pas avoir de meufs fixes et tout, tu sais, je leur demande rien, alors faut pas qu'elles me demandent des trucs, les meufs et tout. Avec une si belle gueule, notre gaillard est un séducteur. Les femmes m'adorent, tu sais, j'adore les femmes et tout. Une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Les femmes sont magnifiques. Elles apprécient le compliment. Soudain, on sent que le jeu trouble des questions-réponses l'ennuie.
ou le déroute. Il retire son t-shirt et c'est en sueur que devant nous, il exécute une centaine de pompes d'un mouvement ample. Ça, le sport, c'est important. Ça évite de péter un câble. Nous apprend celui qui fut très tôt repéré par le sélectionneur du Stade Rennais. Pourquoi pas une carrière dans le foot ? Attends, j'ai jamais supporté d'être arbitré et tout. Il est vrai que les lions ne peuvent pas être domestiqués. Le mannequinat, j'en ai fait un peu, j'ai posé pour des photographes. Mais la rigueur de ce travail ne le séduit pas. Attends, j'aime bien les mannequins et tout, mais bon, au bout d'un moment, ça m'a bien cassé les couilles et tout. Attends, je serais pas contre être acteur, toi, jouer dans un film d'action, ou un film de cul, ça me plairait bien et tout. Nous dit cet homme qui aime s'exprimer corporellement. Un coup d'œil dans l'appartement, des posters de Diams au mur. « Je connais tous ces albums par cœur !» nous dit-il avec l'air d'un jeune enfant parlant du Père Noël. Et on s'aperçoit que sous cette masse de muscles se cache un petit cœur et une sensibilité à fleur de peau. Pascal et la Bretagne dans tout ça. Pascal se sent breton. « C'est être breton, tu sais ce que c'est ? C'est avant tout un état d'esprit, tu vois, tu passes des bons moments de convivialité. » nous apprend-il en ouvrant un pack de crocs. C'est quoi ? Je me sens aussi un peu tunisien par certains côtés. Nous ne comprenons pas cette remarque et la laisserons de côté. L'addition continue. On sonne à la porte et quelle n'est pas notre surprise de voir entrer deux jeunes filles qui se présentent comme des serveuses au bar Le Chems au Colombier. Pascal, il est excellent, on se sent en sécurité avec lui, nous dit la première. En même temps, on se sent aussi en danger, mais on aime bien, nous dit la seconde, qui semble être la conquête du moment de notre tombeur. Raté. C'est avec surprise qu'on remarque que l'autre jeune fille embrasse Pascal goulûment également. Tu veux aussi m'embrasser ? Nous dit ce conquérant et nous refusons poliment ses avances par rigueur journalistique. Et la morale dans tout cela, il s'agit sans doute de la part d'ombre de notre Rennais, de son plus gros défaut. En effet, il affirme ne pas croire en Dieu. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais vu quoi, j'ai jamais vu de truc paranormal. Chose extraordinairement triste pour un breton, il n'est pas sensible non plus au mystère chrétien. C'est Jésus, j'ai un pote qui s'appelle Jésus, mais sinon je connais pas trop. Nul homme n'est parfait. Vérification faite, il n'est pas musulman non plus, alors rien n'est perdu. Avant même de se rendre compte, la température est montée dans la chambre et nous reprenons nos esprits. Nous décidons de quitter le petit groupe. Dans la cage d'escalier, un monsieur très âgé nous apprend que Pascal est un très gentil garçon qui monte nos courses et nous monte nous-mêmes, nous aussi, avec nos courses, si on veut. Mais il fait beaucoup de bruit avec les femmes et dit beaucoup de gros mots quand il téléphone, nous raconte cette mamie qui vit au-dessus de chez lui. Devant la cage d'escalier, sa superbe moto rouge trône au milieu des épaves et des voitures taguées. Des enfants sont assis autour. C'est la moto de Pascal, on voudrait être comme lui, vous savez, nous disent-ils en chœur. Mais eux vont bien au catéchisme, même si heureusement ils affirment aimer à égalité notre Seigneur et Pascal. C'est un peu cela, Pascal Brutal, un homme sensible et humain dans le corps d'un Seigneur. Thank you.